Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos accueillantes, c'est-à-dire des vidéos qui vont accueillir les visiteurs sur votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui, on parle libertinage et entrepreneuriat. Quand j'ai conçu le show Partir en affaires à ma TV il y a quelques années, une des missions du show, c'était de présenter des entreprises et des entrepreneurs différents de ce qu'on est habitué de voir, d'entendre parler. On voit souvent les mêmes modèles d'entrepreneuriat. Et pour moi, c'est important de mettre de l'avant les entrepreneurs, justement, qui sont un peu plus soit dans l'ombre ou qui sont dans des modèles différents, et les fondateurs du Club Libertin, le Club L, ça s'inscrit exactement là-dedans. Juste avant de vous les présenter, une petite mise en contexte, si on veut. Ce que j'aime beaucoup faire, ceux qui me suivent sur le show depuis le début, vous le savez, j'aime ça détabouiser. D'ailleurs, j'ai été vérifié dans un dictionnaire pour voir si c'était un vrai mot, et oui, effectivement, c'en est un. Défaire un peu les tabous, en particulier, évidemment, les tabous liés à l'entrepreneuriat, donc parler de sujets qu'on n'est pas habitué d'entendre dans le monde des affaires. Et pour être tout à fait franc avec vous, moi, le libertinage, ça fait partie de ma vie depuis ma jeune vingtaine. Ça m'a amené d'ailleurs à faire des études en sexologie. Et longtemps, j'ai essayé quand même de fitter dans des modèles plus traditionnels, plus conventionnels, des modèles amoureux. Et depuis quelques années, j'assume le côté libertin à fond. Et pour moi, le libertinage, je pense qu'il y a autant de définitions du libertinage qu'il doit y avoir de liberté, mais pour moi, c'est très similaire à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que le libertinage, pour moi, c'est défaire des règles qui me correspondent moins, avec lesquelles je suis moins à l'aise, pour en faire des nouvelles. Et depuis maintenant un an et demi, mon amoureuse et moi, on s'est créé vraiment une belle relation amoureuse dans laquelle on a une communication lucide, on nomme nos limites, on défait les nœuds au fur et à mesure qu'ils se présentent, puis on se donne la liberté d'avoir des aventures, de faire des rencontres à la fois chacun de notre côté et ensemble. Et donc, c'est ça pour moi, le libertinage. Ce qui nous amène donc à nos invités d'aujourd'hui, à notre sujet du jour. Je vous présente deux entrepreneurs rêveurs, passionnés, des séducteurs séduisants, le couple qui a fondé le Club L, c'est-à-dire André Lunange-Allard et Mathieu Mathéo Lapointe. Bonjour à vous deux, comment est-ce que vous allez? Bonjour. Wow, bonjour. C'est toute une introduction, j'adore introduit. T'as vraiment bien mis la table dans mon restaurant, c'est parfait. Ben, maintenant que la table est mise, on va se mettre justement à table, on va dévorer avec appétit ce beau sujet-là. J'aimerais ça vous entendre brièvement sur votre définition à vous du libertinage avant qu'on arrive dans l'histoire du Club L. Ben, je dirais que pour moi, le libertinage, c'est une façon, un petit peu comme tu disais, de vivre sa vie qui est différente des mœurs qu'on connaît aujourd'hui. C'est d'amener son couple dans un autre niveau, un niveau qui est quand même assez inconnu parce qu'on ne sait jamais quand ça va commencer puis à quel moment que ça peut terminer. Et ça l'ouvre également plusieurs portes à se découvrir en tant que personne, mais également en tant que couple parce qu'on fait quand même une union ensemble et cette façon-là va amener des différences, va amener des limites que chacun, on doit se mettre aussi puis qu'on doit se respecter par rapport à ça. Fait que c'est un petit peu ma définition du libertinage. Puis pour toi, André, est-ce que tu es exactement sur le même diapason? Moi et Mathéo, on ne vit pas nécessairement notre libertinage tout à fait de la même manière, je pense, dans notre esprit. Puis je pense que c'est propre à chaque personne de délimiter notre manière d'être libertin, après ça, de le délimiter ensemble, en couple, de quoi ça peut avoir l'air. Oui, moi aussi, le libertinage, ça m'amène à pouvoir découvrir d'autres facettes de mes relations avec les autres, de nos relations avec d'autres personnes aussi. C'est vraiment aussi briser un peu le moule dans lequel on était que moi, je n'étais pas nécessairement non plus confortable. Mais tu sais, je pense que tu as peut-être vu dans d'autres podcasts, mais notre manière d'être arrivé dans le libertinage a été suggérée par Mathéo
Puis ça a été naturellement quelque chose qui m'a tout de suite plu comme idée de ne pas rester ancré dans juste un couple classique. Bien justement, vu que tu en parles, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le libertinage et qui veulent aller plus loin dans le sujet, vous avez fait un podcast avec Mélanie Trudel, qu'on voit à l'écran en ce moment, et si on osait avec Mathéo et André, ça remonte à mai dernier. Et c'est un épisode d'une heure, donc pour ceux qui veulent aller, parce que nous, on va focusser un peu sur le côté entrepreneurial du Club L, mais si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'histoire d'André et Mathéo, vous pouvez aller écouter cet épisode de podcast-là. Donc, 18 ans que vous êtes ensemble, c'est quelque chose qu'on voit plus rarement de nos jours dans notre génération des relations de couple qui durent aussi longtemps. Et dès le départ, vous avez mis les bases du libertinage. Et avec le temps, vous êtes venu à avoir l'idée d'avoir votre propre espace libertin. J'aimerais ça savoir où est née l'idée et comment le Club L s'inscrit par rapport aux autres clubs qu'on a longtemps appelé club échangiste. Le terme est un peu réducteur, fait que c'est bien, je trouve que le mot libertin revient à la surface. Comment est né le projet? Ben moi, j'organisais plusieurs parties privées pendant plusieurs années. J'ai commencé peut-être avec une vingtaine de couples et ça se rendait jusqu'à 80 couples. Donc, je louais un loft, un grand loft que mon ennemi avait. Et puis, le loft devenait de plus en plus trop petit pour accueillir tous ces gens-là. Puis, c'était beaucoup, beaucoup d'ouvrages parce que, bon, c'était sporadique comme événement. Ça l'avait peut-être une fois ou trois, quatre mois. Et puis, ça me demandait, tu sais, je n'avais pas d'employé à ce moment-là. Fait que c'est moi qui organisais tout ça tout seul. Et de plus en plus, les gens me disaient, tu sais, Mathéo, pourquoi que tu ne pars pas ton propre endroit, tout ça? Et puis, j'avais l'idée qui trottait dans ma tête. Dans ce moment-là, je travaillais pour Desjardins. J'étais conseiller. Puis je travaillais beaucoup sur la route à Montréal. Et je me disais toujours, le meilleur endroit pour faire un bar ou un restaurant libertin, parce que les restaurants, ça n'existait pas à ce moment-là, c'était une caisse. Puis pourquoi? Bien, parce que je travaillais là-dedans. Puis, je trouvais que chacun des bureaux pouvait devenir facilement une chambre. Le comptoir des caissières pouvait devenir un bar. L'endroit d'accueil pourrait devenir une piste de danse. Fait qu'il fallait juste que je trouve le bon endroit. Et dans mes dernières années chez Desjardins, j'ai travaillé à la caisse qui s'appelait la caisse Saint-Mathieu, drôlement. Et puis, je suis tombé en amour avec cette bâtisse-là. Et puis, quand que je suis rentré dans cette bâtisse-là, le DG qui m'a accueilli, moi, j'avais l'impression que je rentrais dans un théâtre. Et puis, il m'a dit non, il dit on a rénové la caisse il y a quelques années. Mais malheureusement, on n'a pas mis de monde charge, donc on doit la fermer puis la remplacer, puis on doit déménager. Fait que j'ai fait « wow, OK, c'est peut-être mon occasion à ce moment-là ». Et ça m'a pris 5 ans de ce moment-là à pouvoir louer le local, parce que je ne suis pas propriétaire de la bâtisse, parce que c'est des Chinois qui ont acheté ici. Quand la caisse elle a fermé, elle a mis aux enchères et c'est eux qui ont réussi à l'obtenir. Donc, j'ai attendu plusieurs années. Je passais devant quasiment toutes les semaines, puis je voyais qu'il y avait toujours la pancarte à louer ou à vendre, la pancarte à louer ou à vendre, qu'eux voulaient juste flipper à ce moment-là. Et puis, je leur ai fait un offre de location pour eux autres. Ils étaient très surpris que ça puisse se faire. Ça a parti à partir de ce moment-là. Ça a pris 5 ans pour que je rencontre les propriétaires. Et je vous dirais que ça a pris à partir de ce moment-là 1 an, même 15 mois avant que la ville accepte de mon projet. Bien, c'est ça. Puis là, il y a quelques éléments intéressants. D'abord, je suis vraiment pas surpris pour avoir été à l'endroit à quelques reprises. De l'extérieur, je suis pas surpris que ça se soit pas loué avant, parce que la plupart des entreprises qui auraient pris accès de ce local-là auraient eu à rénover la façade extérieure. Vous, le côté anonyme à partir de la rue, j'imagine que c'est quelque chose qui est un plus pour le Club L. Ouais. Justement, tu dis que c'est bon, ça a pris du temps avant que ça puisse démarrer. On n'ouvre pas, je suppose, un club libertin comme on ouvre un dépanneur. Il y a des règles qui doivent être différentes. Il y a des fonctionnaires à convaincre ou à rencontrer qui doivent être différents aussi. Comment ça fonctionne? C'est quoi les premiers défis, les premiers obstacles? Il y avait plusieurs défis au niveau de la cadastration. Donc, l'établissement était reconnu comme une institution financière au niveau de la ville. Donc, je devais changer ce côté-là d'institution financière à restaurant.
Donc, déjà là, j'avais tout au niveau du service des incendies. Il fallait que ça soit tout revu parce que, bon, les normes avaient changé à la Ville de Montréal en 2013. Il y avait également comment qu'on peut placer ça dans la place ici pour que ça soit sécuritaire également. Parce que là, bon, dans une caisse, il y a peut-être quoi? Une trentaine d'employés, puis il y a peut-être 20 membres en même temps qui sont ici. Donc, on parle d'une cinquantaine. Moi, je passais peut-être à ce moment-là à 200, 250, 300, dépendant avec les plans d'architectes qu'on était capable de faire. Et puis, c'était de voir aussi la séparation du deuxième étage et du rez-de-chaussée. Donc, c'était vraiment de voir, OK, il y a un côté restauration, mais il y a un côté aussi qui n'est pas hébergement parce que je ne suis pas un hôtel, mais à la ville, c'était de voir à ce moment-là qu'est-ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'on pouvait considérer les pièces du deuxième comme des salles de réunion? Donc, pour la Ville de Montréal, c'était une façon peut-être de le voir. Donc, c'était une réunion. Puis dans une réunion, ben, il n'y a pas de règle qui dit exactement que la table de réunion doit être de telle hauteur, qu'il doit avoir tant de chaises. Doit... Fait que c'était là-dessus qu'il a fallu qu'on joue énormément avec la ville. Je vais juste t'interrompre une petite minute juste pour faire une mise en contexte pour ceux qui ne le savent pas. Donc, premier étage, resto lounge, oui. On peut manger, on peut boire. Et à l'étage, donc, il y a des chambres et il y a de la sexualité sur le deuxième étage seulement. Donc là, tu parlais du défi justement d'ouvrir un resto dans une ancienne caisse, mais il y a aussi le défi d'ouvrir un endroit où il va y avoir des activités sexuelles. À une époque où ça fait pas si longtemps que ça, c'était encore illégal, interdit. Je me souviens des descentes qu'il pouvait y avoir dans les années 90, dans les clubs échangistes à l'époque. Donc, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a encore une résistance, par exemple, quand tu cherches du financement ou quand tu dois convaincre les gens à partir d'un établissement comme ça? Est-ce que je me trompe ou les premiers plans... Tu sais, moi, je me souviens, Mathéo, il est allé déposer les plans à la ville parce qu'il fallait faire dézoner déjà la bâtisse qui était zonée en institution financière, en restaurant. Déjà, ça, c'était une grosse affaire. Là, il me semble que tu leur as apporté des plans, puis en haut, il était marqué chambre, ouais. Chambre. Ils n'ont pas compris. Fait que là, ils ont refait un plan, ils ne sont pas contents. Ils vont mettre bureau. Salle de réunion, ouais, c'est ça. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ça ne passait pas dans le moulin des contribuables. Mais ce qui arrivait aussi, c'est que il y avait aussi des règles qui se faisaient parce qu'au départ, si je voulais juste ouvrir un bar, ben dans le quartier que je suis présentement, je ne pouvais pas le faire parce qu'il y avait des résidences à côté. Donc, ils savaient que ça pouvait déranger déjà là au niveau d'un bar. C'est pour ça que j'ai déposé la demande en tant que restaurant. Là, à ce moment-là, j'avais le droit. Mais ce qui arrivait également, c'est qu'eux disaient, OK, déjà là, si un bar peut déranger, imaginez dans un quartier qui est bon. On est quand même sur Jean Talon, fait que c'est quand même une grosse voie. Mais en arrière, j'ai quand même un quartier résidentiel. Donc, c'est de là de voir est-ce que ça peut déranger également. Et il a fallu que je me batte pour dire à la ville, c'est quand même une clientèle qui est très respectueuse. C'est quand même une clientèle, tu sais, c'est pas des jeunes qui vont sortir d'une discothèque et qui vont faire du bruit en sortant. Les gens sont très discrets. On retrouve beaucoup sur Saint-Laurent, d'ailleurs. Exact. Non, c'est ça. Tu sais, c'est très différent comme clientèle là, qu'on va aller chercher. Tu sais, c'est des couples. Les couples jeunes, on en a, mais tu sais, c'est pas la majorité de notre clientèle. Je vous dirais que notre clientèle est plus en 35-45, peut-être, mettons 30-50, c'est notre gros barème, peut-être de 60. Donc, c'est quand même une clientèle qui sont bien placées, qui sont pas là pour déranger, qui veulent pas, tu sais, il y a pas personne qui va aller fumer en déshabillé, en sexy ou pratiquement en poil à l'extérieur. Tu sais, les gens sont très discrets, on ne veut pas déranger. Fait que c'est là-dessus que j'ai dû pousser pour que la ville finisse par accepter le projet. Non seulement les gens sont discrets, mais tiennent à leur discrétion aussi. Ouais. Donc, est-ce que tu as eu une résistance longtemps? Comment finalement ils ont accepté qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils acceptent le projet? J'ai déposé le projet à la mi-octobre et ça m'a pris jusqu'à la mi-avril, donc le 13 avril, avant que j'aille les permis de construction pour de la ville. Donc, ça m'a pris, parle de quelle année? On parle de deux. J'ai déposé en 2017 et ça a été accepté en 2018. OK. Et, fait que la première année et demie d'existence du Club L, l'ascension a été fulgurante, de ce que j'en sais. Tu me corrigeras si je me trompe. Le nombre de...
Comment? On a eu des, parce que les problèmes n'arrêtaient pas au niveau de la ville seulement. Parce qu'une fois que les permis sont acceptés, le permis d'occupation est accepté, moi, je dois déposer à ce moment-là les demandes à la Régie des alcools, la RACJ. Donc, ça, c'était une autre barrière automatique que je savais que je devais franchir parce que au niveau de la moralité, l'alcool ne doit pas se mélanger avec la sexualité. Donc, et en plus, les lois étaient différentes parce que moi, c'était pas un club, c'était pas un bar, c'était un restaurant libertin que j'ouvrais. Donc, dans la loi à la Cour suprême, le mot restaurant n'était pas encore accepté. Donc, quand que j'ai ouvert au début juillet, automatiquement, la moralité a saisi mon permis d'alcool durant 5 mois et j'ai dû, à ce moment-là, aller me battre à la Cour suprême, la Cour administrative de la RACJ, pour montrer un petit peu mon plan d'affaires parce qu'il disait que dans un restaurant, on ne peut pas refuser les mineurs. Donc, il fallait que je présente la façon que j'avais faite avec l'association, qui était le groupe qui louait le local ici, qui faisait en sorte que c'était réservé aux majeurs. Donc, ça a pris 5 mois. Donc, les 5 premiers mois ont été assez terribles. Quand j'ai passé, c'est... C'était pas une ascension, là. Okay. Mais j'étais chanceux. Un chemin de croix. La clientèle était là quand même si j'avais pas de permis d'alcool. Les gens venaient quand même parce qu'ils voyaient que j'avais créé quelque chose de beau, quelque chose de chic, quelque chose qui était quand même distingué, que les gens n'avaient jamais vu ici au Québec. Donc, la clientèle venait quand même en disant, ben au moins, on va l'encourager. Tu sais, je faisais de l'argent à ce moment-là sur le prix d'entrée puis sur la nourriture que je faisais, puis sur les motels que André pouvait faire au bar, des cocktails sans alcool. Fait que ça a été quelque chose d'autre pendant... Puis j'ai eu mon permis d'alcool au mois de décembre, puis je vous dirais que de décembre à aller jusqu'à mars, la pandémie, c'est là que l'ascension a été lancée, que je pouvais avoir peut-être par fin de semaine entre 50 puis 150 nouveaux couples qui pouvaient traverser la porte ici pour découvrir l'endroit. Fait que ça a été là que j'ai eu le vertige de voir tant de monde que ça arriver et de dire « OK, ça marche. » C'est ça. Moi, c'est dans cette période-là que j'ai connu le Club L et de ce que j'entendais parler par des amis libertins dans des groupes libertins, c'est qu'il y avait un engouement justement, un amour de la place parce que vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup l'emphase sur le consentement, sur les pratiques sécuritaires de sexuelle. On se sent, hommes et femmes, en sécurité, on se sent bien. C'est important aussi pour vous de créer un espace justement où on se sent bien, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre identité. J'aimerais ça que vous nous parlez un peu justement de la philosophie du Club L parce que tu l'as mentionné un peu, tu as créé un espace qui se distingue des autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi, ou du moins en tout cas, c'est quoi les couleurs et les valeurs du Club L? Pour moi, c'est important. Il y avait toujours l'image qui restait des endroits libertins qui restaient dark un petit peu, que c'était, tu sais, les gens avaient l'impression que tu étais obligé de rentrer là-bas, te déshabiller, puis qu'il fallait tout de suite que tu passes à l'acte, ça. Puis, dans mon idée de créer un restaurant, je voulais comme enlever ce côté-là parce que je voulais que ça soit vraiment séparé, le côté restaurant et le côté sexualité. Un petit peu comme quand un couple qui va aller manger à l'hôtel, ils vont passer un bon souper, puis à la fin de la soirée, ils sont allumés les deux, puis ils décident d'aller prendre une chambre dans l'hôtel. Fait que je voulais avoir un petit peu ce côté-là. Et également, je voulais créer un endroit que les gens prenaient le temps de se parler aussi. Quand tu arrives dans un club de libertin, habituellement, la musique est déjà tellement forte que tu n'as pas le temps de parler avec les gens autour. Puis, la cause va plus se faire au niveau de la piste de danse, en dansant, puis... tu montes, puis tu n'as pas vraiment parlé, fait que tu ne connais pas trop les limites des gens, tu ne sais pas, tu sais, est-ce qu'ils sont nouveaux, est-ce que c'est leur première fois, est-ce qu'ils sont habitués à partager tout ça. Donc, le côté restaurant faisait en sorte que, puis moi puis André, souvent, quand on datait un couple, par exemple, c'est où qu'on va rencontrer un couple, c'est au restaurant. Donc, on se disait, c'est comme l'endroit qu'on peut parler, mais... Tu as des serveurs, tu as d'autres tables qui sont à côté. C'est assez gênant de commencer à parler de ses limites. Je le dis souvent quand les gens arrivent ou pour la première fois, ils posent des questions. Puis, ma réponse, c'est souvent qu'on a designé le Club L
pour nous autres. Fait que si on était sorti, c'est ici qu'on serait sorti parce que on aime être habillé chic, on aime que les gens soient élégants. On met un peu l'emphase là-dessus aussi. Le lieu est très élégant, très épuré, très quand même assez chic. On voulait apporter ça pour la clientèle. C'est le fun d'être habillé sexy puis d'être un peu dévergondé, mais c'est le fun de voir les gens dans leur meilleur atout aussi. Même chose, c'est quand on monte au deuxième étage, on voulait pas que les gens se déshabillent puis se mettent en serviette tout de suite. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu rude parce qu'on s'est mis des beaux sous-vêtements, on s'est mis beau, belle, notre belle chemise, puis oups, on se ramasse tout pareil. Fait que tu sais, quand on monte au deuxième étage, on peut rester dans nos vêtements, il n'y a pas de d'obligation. Puis effectivement, on met l'emphase beaucoup sur le consentement, une bonne communication. Souvent, quand les couples arrivent pour la première fois, ils ont plein de questions. Notre staff est prêt, aime répondre aux questions, sont très informatifs, que ce soit à l'accueil, nous ou notre staff de salle ou de service. Puis, ou même la vigile au deuxième étage, qui est vraiment comme hyper informatif. Puis, on aime les nouveaux, là, on leur fait faire une visite à tous au deuxième étage en leur parlant des règlements du libertinage. Tu sais, la bienséance dans le libertinage, ça existe. Parce qu'on les laisse lousse à monter au deuxième étage sans leur en avoir parlé. C'est un peu de notre faute. C'est notre responsabilité de leur dire comment ça fonctionne un peu, de dire que faut pas que tu t'approches, faut pas toucher quelqu'un si tu n'as pas en premier temps donné un consentement visuel ou fait qu'on est très enrobant pour donner des bons outils aux libertins qui viennent chez nous. Fait que ça veut dire que les libertins aguerris viennent ici en sachant qu'on n'a pas une gang de libertins qui viennent de commencer, qui ne savent pas trop comment ça marche, mais qui disent « Ah, ben on va essayer. » Mais c'est plus sévère. T'sais, ils savent déjà qu'on est plus sévère au niveau des règlements. Ouais. L'autre côté aussi, c'est que les deux, moi, j'avais travaillé en restauration avant de travailler chez Desjardins. J'avais été maître d'hôtel sommelier. André était encore aussi en restauration. Donc, on voulait créer quelque chose un vrai restaurant, tu sais, un vrai bar avec des bons alcools à servir, des alcools premium, une belle carte des vins. Pour nous autres, c'était important que les gens puissent, tu sais, c'est pas juste chic comme endroit, mais également, on peut bien manger, puis on peut bien boire aussi. Si on a une belle carte des vins, André met beaucoup de temps là-dessus, fait qu'on avait... On n'est pas sorti moi, je ne suis pas sorti directement de chez Desjardins à me lancer en restauration. J'avais déjà travaillé en restauration auparavant, donc j'avais déjà cette notion-là de la restauration en étant maître d'hôtel. J'avais travaillé aussi pour des bonnes tables dans les cantons de l'Est. Je voyais un petit peu comment ça pouvait fonctionner. Puis, dans ma vingtaine, c'est ce que j'avais fait en restauration. Puis, c'était des belles années. C'était un emploi que j'aimais d'accueillir les gens. Les gens étaient heureux. Les gens passaient une belle soirée. Ben là, il y avait en plus, en créant le plus belle, ben les gens vont en devenir, une semaine avant, tu es excité. C'est un événement de venir manger. Fait que déjà là, tu te dis, OK, on va pas juste manger dans un restaurant pour manger de la bonne nourriture, puis boire du bon vin, puis rencontrer des gens. Là, on a plus de chances de rencontrer encore plus de monde, pas juste les gens qui sont assis avec nous autres à notre table, mais également, on peut passer une soirée complète qui va être du début à la fin, une expérience totale d'épicurien. Tu sais, c'est pour ça. Oui. À vous écouter, j'entends l'esprit entrepreneurial, il est là depuis longtemps. Tu sais, tu disais tantôt que tu organisais des soirées et tout ça, donc l'esprit entrepreneurial, il est là depuis longtemps. Juste avant de passer à la deuxième partie un peu de ça sur quoi je veux vous entendre, les gens qui nous écoutent en direct sur LinkedIn, sur Facebook, si vous avez des questions pour André et Mathéo, n'hésitez pas, écrivez-les et je vais y arriver plus tard. Puis juste avant justement d'arriver aussi à la deuxième partie, pendant que je parle des gens qui nous écoutent, le sujet est tabou. Et je dois avouer qu'en 40 quelques épisodes, même si en ce moment c'est l'épisode 37, mais c'est parce qu'il y en a 4 qui sont pas encore dans le décompte, mais vrai, pendant 40 quelques épisodes, à chaque fois que je publie, j'ai un bon enthousiasme, surtout depuis plusieurs mois, il y a beaucoup de gens qui likent et tout ça. Et là, c'est le premier épisode où les gens ont peu liké la publication et
quand j'ai publié aussi, d'habitude, je vais écrire « Est-ce que vous avez des questions pour mes invités? » Puis là, je vais taguer des gens qui sont habitués d'interagir avec le show, des gens que je pense qui sont potentiellement intéressés par le sujet. Et c'est la première fois que j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit « Détague-moi, enlève mon nom, je ne veux absolument pas être identifié à ce sujet-là. » Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Parce que justement, c'était important pour moi d'aborder un sujet qui est tabou, mais qui fait partie de ma vie. Comme pour moi, c'est zéro tabou. Mais puis de pouvoir, de voir justement la réaction des gens, pour moi, ça en dit long sur le sujet, puis sur le niveau de résistance que vous avez dû rencontrer, que vous devez rencontrer aussi, je suppose, même si pour vous, c'est quelque chose d'absolument maintenant dans votre quotidien, dans vos gènes, quand vous rencontrez, quand vous parlez à des gens, j'imagine que vous voyez encore ce niveau de résistance-là. Et ça m'amène à, parce que là, on parle des défis que vous avez traversés. Bon, fonder le Club L, ça a été, je l'entends, un beau défi. Une fois que vous avez ouvert, il y a eu les problèmes avec l'alcool. Vous avez dû continuer de vous battre. Et super, ça fonctionne bien, mais là, oups, on arrive à être dans une pandémie. Et avec une pandémie, avec une crise sanitaire, ben j'imagine qu'un club libertin, c'est pas mal le premier endroit qui ferme. C'est le dernier endroit qui ouvre. Exactement. Quoique vous êtes ouvert, puis les karaokés ne le sont toujours pas, mais... Ce qui nous sauve, je pense, c'est notre permis de restauration présentement. Ouais. Ce qui a fait en sorte qu'on a pu réouvrir en même temps que les restaurants, dans le fond. Fait que c'est ce qui nous a sauvés. L'été dernier, quand on a réouvert, parce qu'on se rappelle qu'il y a eu comme deux blocs, là on est dans la deuxième réouverture. Mm-hmm. La première réouverture l'été dernier, on n'a pas pu opérer le deuxième étage. Et c'était beaucoup plus strict, beaucoup plus restreint qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis on a la chance de travailler avec des artistes de cirque depuis presque le tout début du Club L, qui nous ont proposé un couple, donc c'était sanitairement correct. Un couple qui nous a de cirque, de cirque intime, qui nous a monté un merveilleux spectacle, Baiser interdit, qui a joué tout le temps de la réouverture l'été dernier. C'était quand même un gros défi, mais on a tellement trouvé que c'était intéressant d'offrir une espèce d'un cabaret, dans le fond, là, un cabaret un peu à saveur érotique, avec un beau spectacle. Quelque chose qui se fait pas vraiment présentement à Montréal, fait que ça a fait travailler beaucoup notre transfert dans notre tête, ça, parce qu'un cabaret érotique, il n'y en a pas tant au Québec. Tu sais, en France, on fait un voyage en France, on va aller au Moulin Rouge, on va aller au Lido, on va aller voir un spectacle à saveur érotique pour le grand public. C'est correct, tout le monde y va. Mais là, à Montréal, on veut faire, ça serait le fun de faire vivre ça. Fait que ça, c'était notre manière de nous réinventer l'été dernier. Mm-hmm. En réouvrant cette année, ben, on peut ouvrir un restaurant. On a décidé de travailler. C'est Mathéo qui a fait c'est lui qui fait les démarches, là. Moi, je suis un soutien. quand on a eu la permission de rouvrir les restaurants, ben, encore à ce moment-là, on s'est dit, OK, parfait, on va rouvrir, mais qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. On va continuer avec le spectacle. Est-ce que, fallait voir, le décret a diminué. Par exemple, on est passé dans une zone rouge, dans une zone orange, puis une zone jaune, puis des zones vertes, ça. Donc, on avait le droit d'avoir plus de personnes à une table que juste deux, par exemple, juste un adresse. Donc, c'est là qu'il a fallu que je commence à faire les démarches avec la police de quartier. Après ça, ils m'ont transféré à l'escouade de la moralité. L'escouade de la moralité m'a transféré au CIUS. Du CIUS, après ça, on m'a envoyé à la santé publique. Puis la santé publique, on m'a envoyé au ministère de la Santé pour voir avec les normes, bien, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, eux me disaient, on a le droit à trois adresses différentes à une table. Je disais, OK, si on a le droit à trois adresses différentes à une table de 7h à 2h du matin quand on est ouvert, fait qu'on a trois couples qui sont assis à une table, mais pourquoi qu'ils ne pourraient pas aller, ces trois couples-là, s'amuser au deuxième étage? Mm-hmm. S'ils ont eu à se donner le COVID, ils vont l'avoir eu à la table, tu sais. Fait que c'est là-dessus que ça a pris deux semaines, encore une fois, à faire peut-être 40 heures d'appel par jour, à être mis en attente pendant 2-3 heures jusqu'à ce que quelqu'un prenne l'appel puis que la personne ne sache pas trop comment répondre puis me transférer à quelqu'un d'autre. Fait que ça a été ça. Ça a pris deux semaines pour qu'ils me disent, bien, regardez, on comprend la situation, on comprend votre établissement. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va vous laisser la permission d'opérer
les salles de réunion, parce que la ville m'avait donné comme salle de réunion au deuxième étage, de la même façon que vous pouvez opérer dans le restaurant. Donc, une table. Par réservation. Ouais. Quand Mathéo il m'a dit ça, honnêtement, je pars par rire. J'ai dit, ben, go! Mathéo il m'a dit, ils n'ont pas trouvé de raison pour laquelle ma manière de fonctionner que je leur ai proposée ne marchait pas. Ils m'ont dit, dans le décret, il est marqué nulle part qu'on ne peut pas avoir de sexualité. Ils m'ont dit, c'est parfait à ce moment-là. Tant que la règle n'a pas été mise dans le décret, ben on va te laisser opérer. Fait, sachant qu'ils n'allaient probablement pas mettre cette règle-là parce que ça aurait peut-être été ridicule de le faire pour un seul établissement ou deux peut-être au Québec, ils ont laissé ça carte blanche. Ils ont dit, regardez, utilisez. Mais ils m'ont demandé de respecter quand même les normes. Puis j'avais déjà une bonne réputation avec le poste de quartier, également avec la moralité. Fait que, ils se sont parlé puis ont dit, ben on a confiance. L'année passée, on y avait laissé la permission de faire un spectacle sans avoir de permis de spectacle. Ça s'est très bien passé. Ça, on n'a pas de doute. Il va bien fonctionner. Donc, les gens remettent leur masque quand ils sont prêts à monter au deuxième, montent au deuxième étage, rentrent dans la salle de réunion et puis ils peuvent enlever leur masque à ce moment-là comme s'ils étaient assis à la table. Et puis, ils vont projeter. C'est intéressant. À vous écouter, j'ai l'impression que vous avez vécu votre propre version de la Maison des fous d'Astérix. Mais justement, vas-y, avant de réouvrir, Mathéo, c'est la Maison des fous fois 1000. Là, ouais. Il passait des heures. Tu sais, les grosses entreprises qui ont fermé, mettons une grosse chaîne de restaurants, ils ont toute une équipe de gestion de la paperasse. Les comptables, adjointes administratives, etc., pour juste aller chercher les subventions nécessaires qui étaient spreadées partout. Mathéo passait des heures et des heures. C'est plus du pire. Tu sais, moi, dans ma tête, après 4 heures de téléphone, il les a toutes eues. Non, il faut que je rappelle demain. Où j'ai commencé? Fait qu'il a passé là, des semaines juste à faire en sorte qu'on ait les subventions pour arriver à être encore ouvert aujourd'hui. T'sais. Fait que c'était presque une job à temps, un gros partiel, je vous dirais. Parce que dans les subventions, ils disaient que les clubs libertins, il avait mis les clubs libertins dans ce que j'appelle à ce moment-là presque qu'est-ce qui est géré par le crime organisé, club de danseuses, maison de débauche, maison close, salon de massage érotique. T'sais. Fait qu'ils nous avaient mis dans cette catégorie-là qu'en réalité, c'est un. Je suis pas criminel, tu sais, c'est pas, tu sais, fait que j'étais un petit peu fâché de ça. Et puis, moi, je vendais l'idée de dire, attendez un petit peu, la subvention n'est pas demandée par l'association, le Club L, que eux offrent l'espace libertin. C'était vraiment mon restaurant à ce moment-là, parce que moi, c'est une incorporation. Le restaurant ici, tout le monde appelle le Club L, mais le Club L est l'association. Le restaurant en tant que tel, dans lequel que j'ai créé ici, s'appelle Les Plaisirs Épicuriens. Donc, c'est Les Plaisirs Épicuriens, l'incorporation, ben mon incorporation, qui demandait les subventions. Et puis, eux disaient, ben non, c'est le club. Attendez un petit peu, le club libertin, c'est l'association. On est complètement deux entités. Donc, au Québec, ça a été fort-ball. Ils ont dit non, on veut rien savoir de subventionner à ce moment-là. On ne rentre pas dans la catégorie des restaurants. Mais au niveau fédéral, ça l'a passé. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai eu le droit aux subventions fédérales, mais pas aux subventions provinciales. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une forme d'hypocrisie. Moi, j'ai déjà assisté à des deals de coke dans un bar de Schlaga, un bar bien ordinaire, pas un bar de danseuse ni rien. Puis c'était ouvert, j'allais là faire du karaoké de temps en temps. C'était définitivement pas un problème pour eux de faire ça au su et au vu de tout le monde. Mais ils vous catégorisent alors qu'au Club L, on se sent tellement dans un endroit où, justement, je le disais un peu plus tôt, sécuritaire ou c'est clean ou c'est... Puis, tu sais, tantôt, vous parliez un peu de votre philosophie, puis je ne peux que confirmer pour y avoir été à deux reprises, on se sent vraiment bien accueilli. Si on est nerveux, justement, la première fois qu'on met les pieds dans un club libertin, vous deux et votre staff, vous faites tout pour accueillir avec beaucoup de chaleur puis beaucoup d'écoute et de compréhension les gens. Je me souviens de notre serveuse qui devançait déjà nos questions ou nos inquiétudes ou nos hésitations, et vous le faites avec brio. J'aimerais ça vous entendre avant qu'on termine sur les apprentissages que vous avez faits comme entrepreneur, comme être humain, même comme amoureux. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui?
à la réouverture du Club Bell versus ce que vous, où vous étiez il y a un an, deux ans, et avant la pandémie? Ben, tu sais, il y a eu deux étapes qui ont fait en sorte que je peux dire, OK, j'ai appris vraiment énormément c'est quoi être entrepreneur. La première, c'est un de mes amis que pendant que je cherchais de trouver du financement avant d'ouvrir, c'était impossible. Tu sais, un, déjà là, que je faisais visiter l'endroit que je voulais transformer, les gens n'avaient pas cette vision-là. Puis, que ce soit des gens du milieu ou des gens de l'extérieur, c'était pratiquement impossible qu'il y ait la vision que j'avais de transformer cette bâtisse-là. Puis mon ami m'a dit, Mathéo, il dit, regarde, il dit, prends ce que tu as, parce que j'avais, bon, à ce moment-là, moi et André, t'es propriétaire de deux immeubles. Donc, j'ai vendu un de mes immeubles. Il m'a dit, autofinance-toi, commence à faire les travaux. Puis, quand que les gens vont voir que t'es prêt, puis que t'es prêt à foncer, c'est là que tu vas attirer les gens. C'est en leur montrant que tu es prêt à faire un all-in. C'est exactement ça que j'ai fait parce qu'après avoir vendu mon immeuble, j'ai décaissé mon fonds de pension chez Desjardins, j'ai retiré mes REER, j'ai loadé mes marges de crédit, j'ai loadé mes cartes de crédit. Puis c'est là que j'étais dans mon projet. Puis, tu sais, un mois avant la fin, j'ai rencontré quelqu'un du milieu que j'avais parlé de mon projet, tout ça. Puis il m'a dit, hey, dis-moi, j'embarque. T'sais. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai allumé, j'ai dit, hey, c'est vrai, ça fonctionne comme ça. On doit, quand tu crois en quelque chose, attends pas que les gens viennent t'aider avant de commencer. Mets-toi en marche, pars la machine, et tu vas voir, les gens vont croire en toi, en ton projet, parce que tu y as cru toi aussi, tu l'as fait, tu t'as lancé, puis tu as fait vraiment, tu sais, moi, c'est vraiment un all-in que j'ai fait avec André. Mm. Tu sais, on a gardé seulement le duplex, la maison familiale qu'on avait. Donc, les gens me disent à ce moment-là, tu sais, OK, j'ai pas peur, parce que s'il était capable de tout mettre ce qu'il y avait à ce moment-là, ben automatiquement... Il va travailler pour ne pas le perdre. Je vais faire. Puis l'autre conseil que j'avais eu d'un autre ami aussi qui est entrepreneur, il m'a dit, Mathéo, il dit, attends pas que d'avoir des solutions pour tout ce que tu vas avoir à faire puis tout ce que tu penses que tu vas pouvoir affronter, parce que ce que tu penses présentement que tu vas avoir à affronter, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg avant que tu sois mis dans le bain puis que tu te rendes compte qu'il y a tellement d'autres affaires que ça. Puis c'est exactement vrai qu'est-ce qui est arrivé, parce que j'avais pas pensé que j'allais te faire saisir mon permis d'alcool pendant 5 mois. J'avais pas pensé que j'aurais eu de la misère autant avec la municipalité puis autant aussi avec la pandémie. T'sais, c'était comme quelque chose que j'aurais pu jamais imaginer. Fait que si j'avais eu à essayer de trouver des solutions, il m'avait dit, Mathéo, il dit, quand t'es en mode survie, il dit, il n'y a rien qui va t'arrêter, puis tu vas toujours trouver des solutions pour le faire. Puis quand que le monde me demande comment j'ai fait pour passer le 5 mois sans permis d'alcool, je leur dis, ben, je me suis battu. Je me suis battu. J'étais allé en cours, j'ai monté mes dossiers. Je dormais très peu la nuit parce que, tu sais, j'essayais de voir, OK, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce qui était correct. Je parlais avec des amis qui étaient avocats. OK, Mathéo, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Puis pendant la pandémie, ça a été exactement la même affaire. Qu'est-ce que je peux faire pour repartir la machine, qu'est-ce qui va arriver, tout ça, comment que je peux négocier avec les propriétaires pour leur dire, regardez, présentement, je ne suis pas capable de vous payer le loyer, j'ai aucune scène qui rentre, OK, j'ai réussi à avoir telle subvention, qu'est-ce que je suis capable de payer peu à peu à compte-goutte pour pas que je me fasse saisir ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que tout ça, c'est ces étapes-là que j'avais jamais connues en tant qu'employé, par exemple, c'est de dire, OK, c'est un all-in, puis on fait tout pour survivre. Fait que, oui, ça m'a amené à monter des échelons, puis je pense que j'ai eu pas mal de bâches avec ça. À t'écouter, il y a trois mots qui reviennent à mon esprit, c'est résilience, flexibilité et adaptation, mais la résilience beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup le thème de ce que tu as traversé, de la création jusqu'à traverser la pandémie, et de pouvoir réouvrir avec un beau succès jusqu'à maintenant. André, j'aimerais ça t'entendre sur toi comme personne, comment tu as cheminé à travers l'aventure, l'expérience du Club Bell. Bien, moi, c'est au tout début, tu sais, l'idée, j'ai laissé Mathéo aussi chapeauter tout le côté démarrage d'entreprise, le financement. Moi, j'ai pris le rôle des piliers de tout le reste. T'sais, je me suis occupée que autour de ça, tout fonctionne parce qu'on a une famille, il y a autre chose. T'sais, des fois, ils pouvaient ne pas être là pendant 4 jours parce qu'ils dormaient ici, les travaux étaient en train de se faire. Ils sciaient le matin à 6 heures. Ils venaient des fois juste manger une fois par 2-3 jours.
Fait que, moi, j'étais vraiment le pilier qui faisait en sorte qu'il y avait la liberté, on est libertin, de faire ça, comme il dit, all-in. En continuant à travailler à temps plein aussi, parce que tu travaillais aussi à ce moment-là. Oui. Fait que, tu sais, j'ai repris tous les rôles importants, dans le fond, qu'il ne pouvait plus reprendre parce qu'il était dans la construction de l'entreprise. Au fil du temps, avec la famille, tu sais, moi, j'ai toujours gardé mon côté pilier à côté jusqu'à l'été dernier, quand on a réouvert, que là, j'ai réalisé aussi que c'était... J'ai pas réalisé que c'était mon entreprise, mais j'ai réalisé que je pouvais être plus pour cette entreprise-là que juste un pilier qui se présente en belle robe en chinant mon verre de vin avec des clients, tu sais. Je travaillais quand même au bar. Oui, je travaillais quand même au bar, mais tu sais, je me suis comme toujours un peu plus considérée à l'écart de la gestion. Fait que dans l'été dernier, à partir de l'été dernier, dans mon esprit, j'essaie de plus me projeter pour être présente dans l'organisation, dans l'entreprise, le plus belle, parce que c'est la mienne aussi. Je voulais apporter aussi de mes couleurs. Je pense que c'est important. C'est riche d'avoir pas juste une gang de gars qui s'occupent d'un club. D'avoir comme un côté féminin, c'est une bonne, c'est un bon ajout, en fait. Fait que, tu sais, tranquillement, là, moi, c'est ce que j'apprends depuis la dernière année et demie. C'est à prendre ma place, à savoir où me positionner, c'est quoi mes forces, qu'est-ce que je peux apporter de plus-value à l'entreprise, parce qu'elle est déjà quand même bien représentée, bien gérée. Mais justement, quelles sont les forces et quels sont les outils qui sont maintenant dans ton coffre à outils qui n'y étaient pas il y a 3 ans, tu dirais? Ben la gestion, Mathéo, ouais. Il nomme les réseaux sociaux parce que j'ai repris la gestion des réseaux sociaux depuis la dernière année à peu près. La communication client dans mes c'était déjà des choses. Moi aussi, je travaille en restauration depuis plusieurs années. Donc, j'ai redéveloppé ce côté-là où la communication client est plus fluide. Moi, mon gros défi personnel, j'ai déjà fait de la gestion dans les restaurants avant. Ça n'a jamais été vraiment gestion personnelle. Ça n'a jamais, je trouve, été ma grande force. Fait que c'est pour moi la chose sur laquelle je dois travailler quotidiennement, c'est la gestion des employés, puis... Puis présentement, c'est tout un défi quand tu repars, comme tous les restaurateurs au Québec, on se retrouvait avec 0 employés, pour ceux qui avaient fermé complètement, à dire, OK, on repart la machine. Par chance, on n'a pas pu repartir la machine à 100% parce que accueillir 250 personnes ici le premier soir, ça aurait été impossible. Puis même encore aujourd'hui, on a notre capacité à peu près entre 60 et 70. Mais on pourrait pas si le gouvernement disait « OK, parfait, on rouvre les valves, là, il y a plus de pandémie, on repart comme avant à 200 », juste le nombre d'employés que ça nous prendrait, c'est comme, il n'y en a pas de disponible. Tu sais, c'est un gros défi pour André, ça. Oui, mais puis on est chanceux dans notre dans la réorganisation, on a quand même de la chance parce que, étant de la restauration, on attire des gens qui sont des professionnels de la restauration aussi, fait que ça nous donne un coup de main. Fait que mes apprentissages, pour moi, c'est vraiment ça. Gestion personnelle, gestion les réseaux sociaux que j'adore faire, d'ailleurs, pour la communication client, pour l'imagerie, pour tout ce que ça apporte, mais aussi la gestion de se renouveler dans refaire notre nouvelle normalité, dans le fond, parce que moi, je veux, faut pas qu'on pense à revenir comme avant, parce que, de toute façon, on veut pas être comme avant. On veut être comme plus tard, tu sais. Fait que c'est d'être toujours dans le renouveau. Puis ça, c'est un bon défi parce qu'à toutes les deux fins de semaine, il faut qu'on réfléchisse. Ah, OK, on peut faire ça. Fait que là, comment qu'on le fait? Comment qu'on l'intègre? Est-ce que nous, on s'engage dans cette voie-là? Fait que c'est... voilà. Mais justement, tu parles de renouvellement, puis je comprends bien que c'est difficile, surtout post-pandémie, de se projeter dans l'avenir puis de dire, OK, là, dans 6 mois, on va être rendu là, puis tout ça. Mais... est-ce qu'il y a quand même des ébauches de plans, de projets, si, mettons, tout va bien puis qu'il n'y a pas de vagues qui vous forcent à refermer ou à vous ajuster encore plus en termes de sanité?
qu'est-ce qu'on réserve avec le Club L? Ouais, ça serait quoi les prochaines étapes du Club L dans les prochains mois, voire la prochaine année? Bien, c'est au niveau des capacités, c'est sûr que quand que au niveau de mon permis d'alcool, j'ai le droit d'avoir assis 140 personnes dans l'endroit, mais ça inclut deux salons VIP que je pouvais avoir à peu près une cinquantaine de personnes dans ces deux salons-là. Donc, un qui a à peu près une capacité de 20, puis l'autre qui a à peu près une capacité de 30. Là, on se dit, OK, des salons présentement, c'est pas populaire. Tu sais, je peux pas de toute façon mettre 30 personnes dans un salon VIP. C'est la loi nous l'empêcher. Donc, les coffres sont à sec. On réussit à payer quelques affaires avec ce qu'on gagne. J'ai des ententes de paiement avec tous les créanciers, que ce soit aussi avec les propriétaires, tout ça. Donc, est-ce que je suis capable d'investir transformer ces salons-là que j'ai? Fait que c'est de voir, est-ce que je suis capable de trouver du financement? Des institutions financières, c'est un gros zéro présentement, ça se fait pas. Donc, c'est vraiment de trouver. Puis, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Est-ce qu'on change notre façon de faire au niveau de la cuisine? Ouais. Est-ce que, c'est d'aller de trouver la façon qui fera en sorte que juste dans l'espace qu'on a commun, ben on a le droit à 60, 70. Mais si on ouvre les salons VIP, est-ce que je serais capable à ce moment-là d'aller chercher peut-être un 100, donc 30 personnes de plus par soir qui paraîtrait énormément parce que présentement, depuis peut-être les 7, 8 dernières fins de semaine, on est complet les vendredis, samedi. Donc, OK, ça va nous apporter plus de revenus. Est-ce qu'on est capable de trouver quelque chose, des thématiques, des soirées que le jeudi soir, les gens pourraient être attirés de venir le jeudi soir parce que la clientèle libertine, c'est souvent la clientèle, bon, des gens qui travaillent, des familles, tout ça. Le jeudi, c'est peut-être moins populaire de sortir parce que trouver une gardienne, à s'organiser, le lendemain, on travaille. Donc, c'est de trouver peut-être la bonne recette qui fera en sorte que le jeudi soir pourrait aussi me rapporter des grosses soirées. Mmh. C'est présentement, on a repris le Cirque Intime qui faisait le spectacle pendant la première... quand on a rouvert l'été passé, ils nous prennent jeudi, vendredi, une fois par mois. Puis jeudi au mois d'août, quand ils sont venus, c'était pratiquement complet le jeudi. C'était complet le jeudi. Complet jeudi, complet le vendredi. On a fait une entente avec eux. Tu sais, c'est nos amis aussi et nos partenaires. On a fait une entente avec eux jusqu'en décembre. Là, tu sais, ça, c'est dans nos prévisions parce qu'on aime le côté spectacle, le côté cirque, mais aussi on a une mission d'enseignement, d'ouverture d'esprit, d'ouverture vers toutes les différences au niveau de la sexualité, mais des rencontres. Fait qu'on est en train de travailler avec eux pour mettre en place des jeudis, soit cabaret, conférences, des explorations sur des thématiques. Les vendredis que le Cirque Intime est là, c'est le baiser interdit, qui est presque complet deux semaines à l'avance parce que c'est un beau spectacle, ça fait vraiment une soirée exceptionnelle. Donc, une partie de ce qui attend le Club L, c'est de continuer à faire vivre des expériences à vos membres, ouais, aux gens qui y vont. Toujours des expériences de sensations, de divertissement et des trucs qui nous sortent des sentiers battus, finalement. J'aimerais, pour terminer, vous poser une ultime question. Si, avec le recul, vous aviez un conseil, André, à donner au Mathéo d'il y a 3 ans et Mathéo à donner à André d'il y a 3 ans, ça serait quoi? Tu sais, j'apprécie, c'est vraiment énorme que André, depuis qu'elle s'implique beaucoup plus dans le Club L. C'est sûr que chacun de notre côté, on s'était fait comme un mur entre les deux. Moi, je m'occupais d'ici, elle s'occupait de tout ce qui était l'autre côté de la famille, tout ça. Puis ce mur-là qu'on a créé ensemble, je suis content parce que bon, pas de gêne à le dire, pendant la pandémie, on a fait une thérapie de couple ensemble. Ça nous a aidé énormément, à revoir après 18 ans. C'est où, en tant que couple, qu'on est rendu. Puis, on n'est pas un couple qui est ordinaire non plus, tu sais. Fait que la sexologue, elle avait un beau défi avec nous autres. Mais c'est ce mur-là, on l'a eu pendant plusieurs années.
depuis qu'on avait le club, parce que notre façon de faire en couple était très différente aussi. Moi, j'avais moins de temps. André, elle avait moins de temps. Ça l'amenait certaines frictions, chacun de notre bord, chacun de certaines frustrations, tu sais. Autant dire que ma part de part familiale à faire mes tâches en tant que couple, que, tu sais, c'est plus vrai en 2021 que la femme fait tout ce qu'il y a de travail ménager à la maison. C'est plus comme ça, tu sais. On s'est toujours partagé avant en tant que couple. Maintenant, moi, en étant juste plus ici au club, quand j'arrivais à la maison, j'avais pas le temps de plier les brassées de linge, j'avais pas le temps de tout ça. Mais on a gardé cette frustration-là en les deux mêmes choses. André, je trouvais qu'elle s'impliquait pas assez pour le club. Tu sais, je demandais, ben, tu peux-tu faire ci? Elle me dit, ben, Mathéo, j'ai pas le temps. Tu sais, moi, j'ai fait tel. Fait que, peut-être, on aurait peut-être dû faire cette thérapie-là avant de lancer le club. Ça nous aurait peut-être aidé à ce moment-là à enlever ce mur que je dis que c'est peut-être juste un voile aussi, mais ça nous aurait probablement aidé dès le départ. C'est le fun que la pandémie est arrivée parce que ça nous a aidé en tant que couple aussi à se retrouver, dire, ben, tu sais, je suis plus 4 jours par semaine au club à même dormir ici puis arriver juste à la maison brûlé, fatigué. Maintenant, ben, je prends plus de temps, je passe plus de temps à la maison. J'ai compris plusieurs frustrations qu'elle avait, puis elle a compris, je pense, également les frustrations que moi aussi j'avais face au jeu. Vous n'avez pas anticipé les irritants qui pourraient survenir. Exact. Menaçaient ou fragilisaient votre relation, non seulement de couple, mais aussi de bâtisseur, parce que vous aviez quand même ce projet-là qui, j'imagine que le niveau, peut-être pas d'anxiété, mais du moins de stress, devait être élevé parce que vous faisiez face, on en a parlé plus tôt, à tout plein d'obstacles. Donc, nécessairement, ça brasse le couple aussi. André, si tu avais un conseil, soit à te donner ou à donner au Mathéo d'il y a 3, 4, 5 ans, ça serait... C'est drôle parce que j'allais donner le même conseil au Mathéo et à André, André d'il y a 3 ans. Commencez donc en même temps. Prenez du temps pour le couple. Faites cette thérapie-là. La thérapie qu'on a faite, c'est sur le coup. C'est Mathéo qui a eu cette idée-là. Je me suis dit, ah, Caroline, c'est pourquoi une sexologue encore parler de sexualité? Puis là, j'étais dans mon... Moi, je suis plus classique. Puis c'est une chance que c'est elle parce que et une sexologue, donc ouverte d'esprit sur différentes pratiques. On a abordé un peu la sexualité, mais tellement notre relation entre nous. Puis, tu sais, ça nous aurait peut-être permis depuis le début de balancer un peu nos efforts parce que, tu sais, c'est pas vrai. Tu sais, Mathéo, il avait les efforts jusque-là pour le club. Moi, j'étais jusque-là pour la maison. Fait que lui, il avait l'impression que j'étais pas là pour l'entreprise, mais j'étais en soutien. Moi, j'avais l'impression qu'il était pas là pour la famille. On aurait juste pu descendre les deux puis se faire un beau mélange, là. Parce qu'un gâteau, ça se fait quand tous les ingrédients sont mélangés. Et quand la communication est lucide et qu'on défait les nœuds au fur et à mesure, c'est au rendez-vous. Parce que votre conseil, ultimement, il pourrait servir à n'importe qui se part en affaires avec d'autres partenaires, que ce soit des amoureux ou pas. Je pense que de pouvoir devancer puis nommer les irritants, soit qui risquent de se présenter ou qui se présentent au fur et à mesure, puis d'essayer de trouver justement les ressources externes, que ce soit une sexologue ou un coach, un mentor, peu importe, qui aide le couple ou le groupe à justement défaire ces nœuds-là au fur et à mesure qu'ils se présentent, ça renforce d'abord le relationnel, parce qu'on parle souvent, au show, je parle souvent du relationnel avant le transactionnel. Si le relationnel n'est pas fort, le reste a un risque d'écroulement. Puis bravo d'avoir traversé ça. On va terminer parce que c'est déjà un des épisodes les plus longs que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais pour moi, ça en valait la peine. C'est un sujet qui me tient à cœur, puis je trouvais ça intéressant de faire le tour complet de votre histoire entrepreneuriale. Avant de vous laisser aller, je vais juste présenter votre site web pour les gens qui voudraient en savoir plus. Donc, leclubl.com, donc leclubl.com pour ceux qui nous écoutent en audio. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre site web? C'est André qui l'a fait. Vas-y, André. on le met à jour vraiment souvent. On retrouve surtout en page d'accueil présentement les informations pour salaire de quoi une soirée, les réservations, etc. Comme on avait vraiment beaucoup de questions, beaucoup de questionnements sur des nouveaux, je pense qu'une de nos plus dernières... Une de nos dernières interventions plus-value, c'est dans la section les visites, c'est ça? Visite des lieux.
visite des lieux. Là, vous avez un de nos, le dernier vidéo qu'on a fait qui répond à plein de questions. Oser le Club Elle, on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc, on a un site web assez informatif. On peut visiter les lieux visuellement. On peut répondre, on peut avoir les réponses à plein de questions. C'est quoi les prix des abonnements? On a les menus, on a les soirées cirque intime. C'est vraiment très informatif. Ça arrive des fois que les gens, par email, nous posent des questions. Ça paraît tout de suite s'ils ne sont pas allés voir le site. Je peux les comprendre parce que pas tous les sites Internet sont informatifs tant que ça. Le nôtre est assez informatif. On essaie aussi de mettre des références pour le libertinage parce qu'il y a plein de monde qui s'y présente, qui ouvre le site web et ils n'ont jamais fait de libertinage. Fait à savoir c'est quoi, les règlements, un petit peu notre histoire, comme tout le monde. Fait que c'est vraiment hyper informatif. Puis, je tiens à vous féliciter d'avoir fait faire une vidéo. Personnellement, je la déplacerais vers la page d'accueil du Ça sent bien. C'est une bonne vidéo qui explique, c'est une vidéo de 12 minutes, si je ne m'abuse, qui explique bien tout ce qu'on a besoin de savoir. Et c'est pas mal ma job, mais je crois fondamentalement dans le pouvoir de la vidéo d'amorcer la relation d'affaires avec confiance. Donc, de répondre aux questions qui peuvent se présenter, puis de donner le goût d'aller plus loin. Et justement, parlant de ce sujet-là, si jamais vous voulez produire avec moi des vidéos d'accueil sur vos sites web pour justement expliquer à aux visiteurs de votre site web ce que vous faites et pour amorcer la relation d'affaires, bien, MathieuChevalier.com ou encore ajoutez-moi sur LinkedIn. Voilà. André, Mathéo, merci beaucoup de votre générosité. Merci de m'avoir accordé ce temps-là pour parler de votre très beau projet. Merci à toi. Puis au plaisir de repiquer un brin de jasette avec vous. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. À la revoyure. Merci. Au revoir. Au revoir.